Allez, c'est parti, seconde partie du 23e épisode, épisode sanction pour Mike qui a perdu le concours de pêche et qui doit dire oui à toutes nos attentes. Pimpri, je pense qu'il faut que tu viennes voir ça du coup. T'as mon petit bichon, je te donne du bois. Ouais, cool. Voilà, je te l'ai mis par terre. J'arrive. C'est vrai qu'il y a plein de bois. Eh, descends Mike. Non, c'est pas là où ça se passe, t'as la deuxième partie. Ah merde. Mais si, faut que je finisse ta pourrie de maison. Mais je voulais pas des planches, je voulais du bois. Oh, tu m'embêtes. Tiens. Tiens. Ah, merci. Allez, viens là, Mike. Je l'avais déjà coupé. Regarde, il y a un petit interrupteur ici. Attention, éloigne-toi. Et alors, qu'est-ce que je dois faire avec cet interrupteur? Bah, il faut que t'appuies dessus. Voilà. Quoi? Tu mets les joueurs en plus. Mais non, mais vous vous rendez pas compte ce que vous demandez, on va perdre du temps. Il n'y a pas une histoire d'épisode 50, si jamais on n'arrive pas à l'épisode 50 parce que mon musée est pas terminé, c'est votre faute les gars. Et c'est pour le bien de la saison. Pas du tout, redonne-moi la redstone. Tiens. Voilà, parfait. J'ai reposé. Écarte-toi, ben après il va tout faire péter, fais gaffe. Mais je peux pas faire ça, je peux pas. Et je veux que, en même temps que tu appuies sur l'interrupteur, tu dises oui, c'est moi qui ai brûlé l'arbre. Oh. T'as raison. Affile le chien. Voilà. Vous êtes prêts, c'est bon? Ouais, c'est t'as bon. T'as vérifié la connexion là-bas, la prise est bien branchée, va vérifier pour voir. Non, c'est juste bon. Pour voir. Si, non, mais vas-y. Bon. Non, c'est jamais. Non, c'est bon. C'est pas vrai, les murs blancs. Et j'aurais pu être cruel, j'aurais pu te demander de mettre le chien à côté de la TNT. Non, mais c'est je le ferai pas. Ceci dit, si on attend trop, je serais peut-être tenté. Oui, c'est moi qui ai brûlé ta pourrie de maison. C'est pas vrai. Oh. Attends, me dis pas que j'ai perdu un bloc à l'intérieur. Vengeance est faite. Non, t'as de la chance, t'as rien perdu. Oh là là, mais regardez-moi cette catastrophe. Bon, il me faut mes barrières là-haut. Faut que ça avance la maison un peu. Là. T'as rien foutu de l'épisode. C'est pas possible ces apprentis quoi. Et dire que j'avais prévu une sieste aujourd'hui. T'aurais mieux fait, je crois. J'aurais pas dû venir. J'aurais pas dû regarder ton texto. Allez Mike, on va faire un peu de tournage. Tiens, oh ouais, tiens, super, youpi. Ah, tu le regrettes pas, je pense. Ah non, pas du tout. Bon, je vais couper du bois un peu en t'attendant parce que. Ah cool, merci. Faut tout faire à la place des apprentis, quoi. C'est pas possible. Eh mon petit bichon. Oui. Avoue que c'est toi, que c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Mais non, il était c'est avec pas moi pendant toute la vidéo. Mais moi aussi, j'étais avec toi pendant toute la vidéo. Non, pendant 8 secondes, on te voit courir vers ma maison en hurlant. Ça y est, pendant 8 secondes, je suis passé à côté de ta maison, c'est tout de suite ma faute. T'es pas passé à côté, tu t'es arrêté pile poil là où ça a pris. Mais non, mais je cherchais un seau d'eau, je croyais que t'avais posé un coffre, et je t'allais voir, c'était le plus près, je t'allais voir si t'avais un seau d'eau. C'est et faux. Vu que t'as des coffres tout pourris. Tu sais quoi, c'est les viewers qui vont dire dans cet épisode si oui ou non tu es coupable. Voilà, mais je suis pas coupable, mais s'il vous plaît, là, les pro-Mike, révoltez-vous. Vous faites quelque chose là. Les gars, je vous invite, épisode 22, partie 1 à 6 minutes, regardez les 8 secondes. Et c'est sûr et certain, il est coupable. Mais c'est pas vrai, vous avez vu comme c'est injuste quand je me fais avoir, alors que c'est totalement injuste. Injuste. Par contre, je pense qu'on va commencer à manquer de bouffe, à mon avis. Ouais, bah tu. Hein non, bon. Enfin, moi ça va, j'ai mes réserves. J'ai fait. J'ai vraiment plus en coffre. Fourmi, mais... J'ai rempli le coffre. Il y a moyen de. Surtout qu'avec Pimpri, on va partir en expédition, tu sais, et nous, il faut nous nourrir. Oui. Aïe, j'ai pas d'escalier. Bon, je vais monter pour voir un peu ce que tu fous, là. Bah, je refais la même merde que toi. La même merde? Ouais, à peu près. Voyons voir ça. Ah si, j'en ai. Il y avait pas des citrouilles? Non, il y avait pas de citrouilles, ici. Et puis quoi encore? Hop. Je pose un peu les lumières, parce que, disons, travailler dans le noir, je sais pas comment tu fais. Ah, mais j'ai pas de lumière. Tu t'abîmes les yeux. Ça c'est bon, ça. Alors, c'est bon. Okay, c'était bon. Comment? C'était pourri, donc ça devait être à l'envers, ça devait être comme ça. Hop. Pourquoi il y a des blocs ici? Je sais pas. Alors, voyons voir, inspectons un peu. Bon, le balcon, ça va. Ah, il déchire le balcon. Ouais, le balcon, ça va, il est acceptable. Moi, je vais t'aider un peu, c'est toujours pareil. Pas pris, mon petit bichon est pas très bavard aujourd'hui. Hein. Oui, je suis concentré en fait à faire. Il en profite, il avance. Les douves de lave. Il sait que dans le prochain épisode, on va aller partir et collecter... Et fait rien cramer, tu vois, c'est lui, regarde, il s'amuse avec la lave et tu dis que c'est moi. Bah si ça brûle là, je sais que ce sera pas toi parce que tu es avec moi. Mais tu verras que ça brûlera pas.
Tu refais le tour en plus. Oh, c'est joli, c'est magnifique. Ah bah si je devais pas, je... Bah, j'arrête, si, si, c'est super, c'est super, c'est super, continue, c'est parfait. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est quand qu'il y a un truc où c'est moi qui commande là? Jamais. Comment ça, jamais? Oh, franchement, j'ai abusé des feux d'IQ, j'aurais dû être plus méchant que ça. Hé hey. Oh, c'est chaud. Ça hein. Suffit là. On va se faire électrocuter. Ouais, y a pas de paratonnerre en plus ici. Attends, je vais remonter ma bouffe. Ça restaure que dalle les pommes. Deux petites barres de faim. Garde les pommes, c'est pour faire des pommes en or. Vu qu'on a tout plein d'or. On a pas besoin. On est en pénurie de bouffe là. Oui, je me fais taper par un loup-garou. Sérieux? Si, y a... Oui. Tu veux que je vienne? Bah, non, vas-y, c'est bon, vas-y. C'est bon. Hop, okay. T'as un mage noir. Tu me dis. J'ai plus de plaque de. Ah non, mais y'a pas de plaque de pression. Faut c'est que bon, tu reviens là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Je viens au chaud. Mike, reviens. Je cherche un bloc. Attends, il y a un bloc. Ah non. Pas moi. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah. Il manque une échelle. J'ai rien dit. Il t'en reste des échelles. Voilà. Alors, ouais. Il faut que t'arrives à relier jusqu'à la fontaine. Mais te brûle pas. Hein. Oh là là. Elle est encore là, celle-là. Mais ça se trouve, c'est elle qui a tout fait cramer. Mais oui, mais on cherche. Regarde, tu m'accuses moi, mais c'est évident. Le coupable, il est là. Ah bah c'est oui. La fontaine. C'est la fontaine. Oui. La fontaine, elle s'est déplacée le temps d'un épisode pour brûler ma baraque. Mais quel est le rapport avec moi? Juste parce que j'ai bougé genre 8 secondes et ça y est, c'est de ma faute. T'as pas bougé 8 secondes, on t'a vu te diriger en courant en mais étant tu m'as avec vu, un. T'as une image avec moi, un briquet dans la main? Avec j'ai un jamais... énorme sourire aux lèvres, t'étais tout content. C'est pas vrai. Il était tout content le Mike pendant que nous avec Pimpri on était en train d'éteindre le feu. Je t'ai vu, je t'ai capté, j'ai regardé l'épisode, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il fout Mike pendant ce temps-là. Et je te vois genre courir tout content maintenant. Mais oui, t'as tapé un sprint vers ma maison. Tu t'es dit tiens ils sont occupés, je vais en profiter pour foutre le feu. Et je prétexterai que c'était un voilà un effet collatéral. Et t'as fait un massacre. C'est pas ça, c'est la vidéo pas a parlé. Méfie-toi Mike, reviens par moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des fantômes qui sont pas loin de toi, ils vont te pousser dans le vide. Et ça me rappellera ma saison 6. Avec le clochard? Oui voilà. Méfie-toi. Ah j'ai plus de bloc. De quoi je saute? Ouais bah arrête là, viens, c'est bon, t'as bien bossé. Tu sais quoi? Non c'est bon, je vais le faire parce que je veux que ce soit bien fait donc. Je veux que ça soit bien fait, alors je vais mettre de la cobalt. Donc ici il y aura le M3H. Parfait, allez viens on redescend. Oui maître ultime de la construction, dieu tu, tout puissant. Tu vas aller voir mon petit bichon et tu lui dis oui à tout ce qu'il te demande. Voilà, moi j'ai fini. Mon petit toi. Bichon j'arrive. Ah. Demande moi de refaire mon musée s'il te plaît. Il va falloir que je regarde un petit peu. Ah oui. Alors, est-ce que tu as quand même ce qu'il faut au niveau de terre, tout ça? Je viens de tout bazarder dans le coffre, avec plaisir. Bon bah voilà, ça devrait te suffire. Tu vois tous les arbres, toutes les bûches qui volent? Oh non, sérieux? Mais c'est Dieu ultime de la construction qui a fait tout ça. Oui mais le problème c'est qu'elles ont pas brûlé, maintenant il faut les enlever. Oh mais... Ah oui, oui, oh, oui effectivement. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui, non c'est moche ça, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais, non, mais là il faut tout enlever. Hein. Et vous imaginez que je peux tomber, je peux mourir. On imagine, oui. Vous en foutez. Un peu. Bon, c'est bon, l'épisode est terminé. Le maître du temps a parlé. Pas du tout. Bon, il faut juste faire un petit peu attention. Ou alors, sinon, quand tu te montes un pilier, il faut que tu te fasses une piscine dessous. Oh non, pas de dé à coudre. Voilà, pendant ce temps, je vais me faire quelques verres de. Tu vas où là? Quelques verres. Ouais, fais gaffe, Mike. Redescends. Oh, non, là, je bouge plus maintenant. Vous vous démerdez. Tu as un arc normalement. Tu as un arc. Ouais, c'est bon, Mike. Oh, j'arrive pas à l'avoir, je suis trop loin. Bah, approche-toi. Oui, c'est ce que je fais, Dieu, ou tu. Construction pourrie. Bon, ça j'en ai pas besoin, Hop. Enfin, j'imagine qu'il faut que j'enlève en plus les terres de bouse que je fais, c'est ça? C'est ça. Ce serait pas plus mal. Ouh, j'ai failli enlever cela de mon pied. Ça c'est bon. Oui, il est pas marrant cet épisode, hein, à cause d'une foudre qui tombait là sur la maison de Dieu de la construction.
J'ai du mal à le dire, je suis désolé, mais c'est du mal à sortir de ma bouche. C'est pas que je l'oublie, c'est juste. On sent que c'est pas naturel, effectivement. Voilà, on sent que c'est pas c'est tellement faux. Et tu fais gaffe parce que tu commences à être haut. Oh là là, tu me fais peur. Mais récupérez au moins les blocs que je fais tomber, hein. Je vais en avoir besoin. Tu me fais peur. Ah, oui, c'est vous qui avez eu l'idée, hein. C'est mon. Oh, c'est haut. Mon petit bichon qui a eu l'idée, hein. Ah oui, mais il faut que ce soit propre, hein. Moi je vais pas prendre le risque de tomber quand même. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je l'ai vu passer, arrête. Mais tu sais que si je tombe, on est mort, hein. On le fait sauter dans. On lui fait un dé à coudre, là. Bah écoute, si tu veux. Ne faites pas le dé à coudre, je gère, ça sert à rien, c'est pas la peine. Il est. Oui, ça sert à rien. J'ai pas de pelle par contre. Ça m'embête un peu. Haha, moi j'en ai une, viens la chercher comme ça. Tiens, regarde. T'es où? Et vous savez là, sur la tour. Non là c'est Mike sérieux qui parle. Merci. Vous vous souvenez de l'épreuve de saut qu'on a fait dernièrement là dans le donjon Mapiti d'Adémian? Vous êtes sûr de vouloir me faire un dé à coup? Non, je dis oui, ça. Oui. C'est comme hein? Bon, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. C'est combien? C'est 2 ou 3 de profondeur? Oh mais en bien 3, ouais. 4. Ah! Oh non, ça a pété à côté de moi, sérieux les gars, ça a pété à côté de moi, faut que je redescende. Ah, tu vas redescendre, oui, ça c'est mais sûr. Ça m'a touché mais... en plus, ça m'a touché, sérieux. Mais pas de la manière dont tu crois. Attends, bouge pas. Il faut que je remplisse maintenant. Dépêche-toi de faire le trou parce que si je prends feu là, faut que je saute. Attends, il est pas prêt. Ne bouge pas. C'est quoi ça? Allez. Vous allez chercher de l'eau. Oh putain, y'a de la foudre ah, qui est juste à côté crame, de moi. Ça crame. Je vais me faire électrocuter moi aussi. J'arrive dans pas longtemps. Je suis là dans une petite minute. Hop, voilà. Ouais, c'est quoi ça? Une chauve-souris. J'ai pas le temps pour toi, chauve-souris. Ce sera une autre fois. Ouais, j'espère que mon petit bichon t'avance bien sur ton objectif construction que j'avance pas moi en attendant. Ça avance. Pas pris? Oh là là, oui. Regarde, t'as vu, c'est tombé. Tu pourras venir s'il regarde, te plaît pour me dire si ça suffit ou pas? Non mais sérieusement les. Et c'est tombé là où j'allais taper là, c'est tombé juste devant mon nez. Tu as combien de fond? J'ai 3. Ouais, ça devrait le faire. Hein. T'es sûr hein? Parce que viens voir, ça fait quand même craignos là, non? Oh, ouf. Je vois là d'où je suis là. Ouais, si, y a 3, ça devrait le faire. D'accord, ok. Ouais, ça devrait. Bon, bah on croise les doigts. Hein. Allez, Mike, viens, prépare-toi. Hein. Attends, je suis comment? Attends. Regarde, tu le vois le truc là? Il est petit alors, essaye de pas te louper. Pas comme toi. Bah ouais, surtout que toi t'es plus haut que moi alors. C'est vrai? Je pense que ça te tue à mon avis de là-haut. C'est vrai? Ah non. Ouais, je pense que là tu meurs. Alors, on peut pas me faire une potion genre ça casse pas les jambes? Non. C'est con, j'avais un truc contre la chute, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais un truc contre la chute, mais bon, tu peux pas te l'envoyer, je suis désolé. Oh là là, tu vas te tuer à tous les coups, je le sens bien. Et méfie-toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je sais pas, j'enlève ça là. Merde, c'est pas assez haut. Il en reste combien? Mais je vois pas d'où je suis. Oh là 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 là! Hey, creuse pas! Il t'en reste que 2 sous tes pieds. Mais si tu creuses sous tes pieds, là, oui, voilà, c'est mieux comme ça, effectivement. Hey! Tu vas faire comment après? Bah là, le mic pacifiste du briquet, hein. Hein? Tu vas faire comment maintenant? Bah, je vais y remonter. Ah merde, non, je peux pas. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Ouais, ça c'est mal barré. Hein. Ouais, et t'as pas me trompe de bloc. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit bichon, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien du tout. Oh là, tu me fais peur, Mike, tu me fais peur. C'est ta faute, hein. Si je meurs, c'est ta faute. Hein. Heureusement qu'on a le Joker. Hein. Non, Joker, t'en as besoin pour. Non, pour plus tard. On a un Ender Dragon à tuer, je te signale. Il n'y arrivera jamais à l'Ender Dragon si vous ne laissez pas construire ma forteresse. Qu'est-ce qui se passe? Ça passera pas là? Qu'est-ce qui se passe, mon petit bichon? Attends, 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Continue de retirer tes cubes, t'inquiète pas. Attends, j'avance au ralenti là parce que je sais pas où je tape. Il faut que je saute d'où? De là? Ouais, de là où t'es là. Mais attends, il faut que j'enlève la colonne et que je saute? Non, tu sautes et tu retireras la colonne après. Mais tu te fous de moi là? C'est-à-dire que je vais devoir ressauter après? Exact.
Mais non, sérieusement, non. Mais non, après, ça va laisser une colonne de dirt. Là, c'est pour le. Tu sautes de là-haut, là. Oh, mais t'es super haut, tu m'as tué. C'est pour le bien de la saison, là. Il va rester une colonne de dirt. Ça fait 15 minutes, épisode terminé. Qu'est-ce que t'en penses, Mapri? Ah non, il faut qu'il saute, hein. Il va se tuer, hein. Il va se tuer ou pas? Non, le trou est suffisamment grand. Tu te loupes pas, Mike. Oh, je le sens mal, putain, je le sens mal. Je crois que j'ai jamais autant stressé dans un jeu de ma vie. Théo, on te fait confiance. Et là, je me mets au rebord, là tu sautes devant. Mais tu arrête, sautes rajoute pas, pourquoi rajoute tu pas lui rajoutes ça, il va se tuer. Mais oui. Non, pour mettre au-dessus de sa tête. Quand il est tombé dans l'eau. Quoi? Non. Non, non. Bon, t'as repéré le truc, c'est bon. Pas trop, non. Devant moi, là, juste devant moi, regarde. Ouais, mais c'est bien ça qui m'inquiète. Tu fais comme si tu voulais me tuer avec une épée, tu me sautes dessus, mais avec une case en moins, tu vois. Attends. Oui, ok. Oh la vache, j'ai peur. Bon, tu me dis quand tu vas. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. J'ai peur. J'y vais. Oh. T'es où? Bah... Je suis là. T'as eu chaud, putain. Oh, je t'ai raté, mince. Oh, t'as eu chaud. Tout va bien. Bon, bah c'est parfait. Allez, on arrête là cet épisode, c'est fini pour toi, Mike. Là, ah, je suis content. C'est quand qu'on commence au prochain? Ah, tu t'en sors bien, Tu m'as fait peur avec ce saut. Et bah du coup, on se retrouve dans peu de temps. Pour le prochain épisode, Pimpri, on va devoir aller explorer un peu les galeries souterraines tous les deux. Il va falloir y aller. Hein. Regarde comme il est content, le petit Mike. Ouais, carrément. Je suis vraiment content que cet épisode se termine enfin. Tu m'étonnes. Et ceci dit, je crois qu'il t'en reste encore un, à mon avis. Deux. Il n'y a pas un tirage au sort ou... Je dois pas écouter. Il reste deux défis, je crois. Ouais, mais il doit pas écouter. Ouais, je dois pas écouter. C'est tout ce qui compte. Allez, tout le monde, à la prochaine. Salut à tous. Ciao, bye. Allez, salut, à bientôt.